Une grève de la faim comme ultime appel au secours. Cette fonctionnaire n'en peut plus d'assister passivement au démantèlement du service public. Elle est indignée et révoltée et constate l'échec de Pôle emploi né de la fusion de la NPE des ASEDIC et de sa mission de service public. Refusons ce service minimaliste, ce service qui perd le sens de l'humanité, ce service qui se déchaîne plus sur du chiffre ou de l'efficacité, qui n'est même pas efficace et qui peut nuire finalement aux gens qu'on est censé servir. Demain, est-ce qu'on sera en mesure de se soigner? Est-ce que demain, on sera en mesure d'éduquer nos enfants? Est-ce que demain, on sera en mesure d'avoir un service social qui vient en aide aux plus démunis? Je revendique en tant qu'agent d'État le droit de dire à un moment donné ce que vous me demandez de faire, je ne peux pas le faire et je ne veux pas le faire parce que c'est au détriment des usagers. Voilà. En conscience, nous refusons d'obéir. Nous refusons d'obéir parce que nous ne voulons pas être complices. Des syndicats et des salariés soutiennent cette femme insoumise qui se veut citoyenne avant d'être fonctionnaire.